vous allez bien? Alors je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite tasse de café parce qu'on va papoter. Alors c'est une vidéo improvisée, je viens d'avoir eu cette idée comme ça, j'ai pris ma caméra et je vous filme cette vidéo où je vais un petit peu vous parler des youtubeuses. Personnellement en tant que youtubeuse, bah évidemment je regarde énormément de vidéos et j'avais envie de vous parler des youtubeuses que je suis, des youtubeuses que j'aime bien. Alors je fais ça dans l'idée de vous faire découvrir des youtubeuses que vous ne connaissez peut-être pas. Il y en a certaines que je vais citer qui sont très connues, mais sait-on jamais, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, parce que ça m'est déjà arrivé d'entendre parler de youtubeuses hyper connues que je ne connaissais pas, donc je me dis pourquoi pas. C'est chill, tranquille hein, les gars, hein, on se prend pas la tête hein. On va faire ça par catégorie, je vais commencer par la catégorie mode, en tout cas en français. J'en ai quelques-unes, mais il y en a trois que j'aime particulièrement. Et en plus, ce sont trois youtubeuses belges. Alors, j'ai Limas Wardrobe. Elle a l'air très sympathique, naturelle, spontanée. Et j'aime particulièrement son style vestimentaire. Et donc, elle fait régulièrement des vidéos essentiellement mode avec des hauls. Elle s'habille souvent de chez Zara, comme moi. Du coup, ça m'intéresse toujours parce que parfois, ça vous arrive sûrement à vous aussi. Vous vous baladez dans le magasin et vous trouvez rien. Ça donne une meilleure idée du vêtement. Franchement, à chaque fois que je regarde une vidéo haul de mes youtubeuses préférées, après je passe quelques moments sur l'application Zara ou autre et voilà, bref. Alors elle suit la mode d'assez près, donc elle fait aussi des haul tendance et tout, donc c'est vraiment chouette. Dans le même style, il y a Mimi Har, que vous connaissez certainement, si pas, ben voilà, comme ça vous la découvrirez. Aussi très pétillante, très sympathique, elle donne des chouettes détails sur les vêtements. Elle par contre, elle achète vraiment des vêtements de plein de marques différentes, donc Pretty Little Thing, elle a fait, je crois qu'elle a déjà acheté chez Nasty Gal, elle a Zara, elle a Mango, enfin il y a vraiment le choix dans son style vestimentaire. Du coup il y en a vraiment pour tous les goûts. Elle fait aussi les marques de luxe, donc pour celles que ça intéresse. Voilà, elle est toute jeune, toute pétillante et c'est gai de regarder ses vidéos parce qu'elle donne vraiment des détails intéressants sur les vêtements qu'elle porte. Elle donne des idées de look. Voilà, elle est très mimi évidemment. Les youtubeuses dont je vous parle, elles ont aussi chaque fois des comptes Instagram qui sont vraiment à tomber par terre. Ils sont vraiment, elles font vraiment des super belles photos. Je les ai également sur Instagram. Donc Mimi Har aussi sur Instagram, elle vous poste régulièrement des photos de looks qu'elle fait et tout, et je trouve ça vraiment top. Alors une autre youtubeuse, mais surtout d'abord instagrammeuse je pense, cette youtubeuse s'appelle Sasa by Lopez. Je viens de la découvrir il n'y a pas très longtemps, mais je suis vraiment fan de son compte Instagram. Et du coup je suis tombée sur ses vidéos YouTube qu'elle fait depuis pas très longtemps, mais honnêtement j'adore son style. En fait elle est trop mimi, elle est aussi très sympathique, spontanée. Et son style vraiment, elle fait des photos de look, mais waouh quoi, ça donne vraiment des très très bonnes idées. Et c'est un peu un style qui me correspond évidemment, c'est un style que j'aime bien porter aussi, donc c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Donc je trouve ça vraiment trop cool qu'elle fasse aussi des vidéos YouTube. Vous allez voir chez elle des vêtements qu'on n'oserait pas acheter, et finalement quand on les voit porter on se dit waouh, mais non, ça donne trop bien. Et du coup bah, ça vous donne des chouettes idées aussi, surtout quand vous avez pas trop il y a des gens qui ont un peu du mal à associer des vêtements et tout ça, donc c'est ce genre de vidéo, ça peut vraiment aider si on a envie de se faire un petit style. Elle est vraiment trop mimi, très fraîche, très spontanée, très sympathique. La déco de sa maison est très belle aussi, donc c'est agréable à regarder en fait. Il n'y a rien à faire, hein, les vidéos, ça donne envie de regarder quand c'est dans un environnement agréable. Vraiment très contente de l'avoir découverte parce que je suis vraiment fan en fait. Ouais, vraiment j'adore. Donc voilà, ça ce sont les trois youtubeuses mode. Donc comme je le disais, ce sont trois youtubeuses belges. Elles ont beaucoup de succès et c'est tout à fait mérité. Alors là maintenant je vais passer aux youtubeuses beauté, make-up, etc. Alors le premier nom auquel on pense quand on parle de youtubeuse beauté, évidemment c'est Sananas. J'aime beaucoup regarder ses vidéos parce qu'elle a vraiment des avis très objectifs sur ce qu'elle présente. Elle est très honnête et ne va jamais présenter des choses qu'elle n'aime pas juste pour les vendre ou juste pour un partenariat, etc. Et c'est ça qui me plaît beaucoup chez cette fille. Elle fait aussi d'autres vidéos, elle fait aussi quelques hauls. C'est vraiment une youtubeuse qui est plus axée sur la beauté, sur le make-up, etc. Et elle fait vraiment de très chouettes vidéos. Elle a un chouette humour aussi, c'est chouette parce que quand vous regardez sa vidéo, eh bien vous passez des moments où vous rigolez aussi. Elle se prend pas la tête, elle est très naturelle aussi, c'est une petite feinteuse comme ça, moi franchement j'aime bien. Alors une autre youtubeuse beauté que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans, je pense que c'est une make-up artiste, c'est Picturesque Regina. Ses vidéos sont vraiment bien travaillées parce qu'elle commence toujours ses vidéos make-up par une petite présentation avec un décor, avec... En fait elle va faire un make-up et elle va toujours adapter ses cheveux en fonction, c'est-à-dire qu'elle
elle utilise toutes sortes de perruques, de lentilles colorées à ses yeux. Ses vidéos sont vraiment magnifiques. Elle commence toujours la vidéo par le look final mis dans une certaine ambiance avec une musique adaptée. Donc après cette petite présentation du look, elle montre vraiment en détail, en gros plan, comment est-ce qu'elle procède pour faire son make-up de A à Z avec les moindres détails. Et ses vidéos sont pas très longues, elles sont toujours entre 10 à 15 minutes. Donc ça va, je veux dire, c'est pas tiré en longueur. Elle ne parle pas dans ses vidéos, c'est vraiment en musique, mais vraiment bien expliqué. Elle montre chaque fois quel pinceau elle a utilisé, quelle référence. C'est, tout est vraiment super bien détaillé et ses vidéos sont très très agréables à regarder. Et c'est vraiment une youtubeuse qui fait uniquement du make-up. Ça, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup aussi. Alors, une autre youtubeuse beauté que j'aime beaucoup aussi, mais qui fait plus trop des vidéos vraiment face caméra en faisant des styles de make-up et qui en a fait énormément, c'est Sandrea. Sandrea, c'est une française qui s'est installée aux États-Unis et elle fait ses vidéos de là-bas. Elle est aussi très objective dans ce qu'elle présente, elle dit vraiment ce qu'elle pense. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est très honnête dans ce qu'elle dit et ça me plaît énormément parce que ça donne vraiment des avis objectifs et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, elle fait beaucoup moins de vidéos en make-up, mais elle fait des vlogs. Bah, après, elle est très chouette, très chou à regarder aussi. Je l'ai vraiment connue en tant que youtubeuse beauté, make-up, etc. Alors là, maintenant, je vais passer à une catégorie un petit peu variée. Donc, ce sont des youtubeuses qui font aussi bien des vlogs, des make-up, des hauls, enfin, un peu de tout. Alors, évidemment, il y a ma petite chouchoute favorite, c'est Gaëlle Garcia Diaz. J'aime beaucoup regarder ses vidéos pour son humour. Elle me fait vraiment trop rire. C'est vraiment une meuf qui me fait rire. C'est aussi une youtubeuse très honnête, très objective. Elle donne toujours des avis vraiment intéressants sur les produits qu'elle présente et ça, je trouve ça vraiment top. Ses vidéos sont très agréables à regarder parce que elle se prend pas la tête, c'est une perpète là, genre meuf, elle a rien à kick. On dit ce qu'on pense, on fait comme on a envie et j'adore. J'adore. Alors, une autre youtubeuse où c'est très varié, que j'ai aussi connue il y a un peu plus d'un an, c'est Rosenmus. Une jeune femme qui habite en France, elle fait beaucoup de vlogs, elle fait beaucoup de vidéos recettes, des vidéos où elle fait vraiment un peu de tout, elle montre des petits produits, très fraîches aussi, très chouette à regarder, je sais pas. En fait, quand je la regarde, c'est un petit peu comme si je regardais ma petite série. On suit un peu la vie de ces youtubeuses, elle donne des avis sur plein de choses, elle présente des petits partenariats de temps en temps, vraiment très chouette fille, elle fait du sport, des hauls, des idées de look. Elle a aussi un très chouette Instagram. Alors, une que j'aime beaucoup, alors c'est Valeria Lipovetsky, que vous connaissez certainement. Elle aussi, ça fait à peu près 2 ans que je la suis et j'adore ses vidéos. Elle aussi, j'adore son humour. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête non plus. C'est une jeune femme aussi qui a 3 enfants, donc on voit aussi ses enfants dans ses vlogs. Elle fait aussi beaucoup de vidéos mode. Elle a vraiment un style que j'aime beaucoup. Elle fait vraiment des vidéos essentiellement vlog, mais dans ses vlogs, il y a vraiment de tout. On voit aussi bien la famille, son côté businesswoman. Alors, il y a de la mode, la bite dans une très belle maison, elle a un bureau qui est magnifique, je pense qu'elle habite au Canada. Ses vidéos sont en anglais, très très chouette jeune femme, vraiment j'adore regarder ses vidéos aussi, c'est très agréable, ses enfants sont trop mignons. Alors, une autre youtubeuse qui fait aussi un peu de tout et qui donne souvent de très très bons conseils, c'est Sleeping Beauty. Elle fait aussi des très très chouettes vidéos avec des contenus vraiment très intéressants sur la nutrition, sur la mode, sur le make-up aussi. Elle donne des petites techniques de maquillage, elle donne beaucoup de conseils pour se rebooster, que ce soit dans le mental ou intérieurement avec des compléments alimentaires ou qu'est-ce qu'on peut manger pour se sentir bien. Elle fait des chouettes idées de plats, souvent asiatiques parce qu'elle a vécu au Japon si je me souviens bien et elle adore ça. Donc voilà, elle a un très chouette petit appart aussi, donc elle montre un petit peu parfois des objets de déco. Une très chouette fille aussi, très honnête, très naturelle et ça, c'est vraiment gay. Elle aussi, je la suis depuis quelques temps et j'aime beaucoup ses vidéos. Encore une youtubeuse à peu près dans le même style que vous connaissez certainement, celle-là c'est impossible de pas la connaître, c'est Joy Phoenix. J'aime bien regarder ses vidéos parce qu'elle fait vraiment de tout aussi, elle fait ses vlogs, elle fait des vidéos beauté, enfin elle est vraiment très variée aussi aujourd'hui. Avant c'était plus axé sur la beauté, le make-up, etc. Mais c'est vraiment, j'aime bien cette jeune femme parce que c'est vraiment une bosseuse. Aussi jeune qu'elle soit, elle fait très très bien son travail. Et pour terminer, dans la catégorie sport, Sissi Mua, je suis également abonnée à son application et j'aime bien regarder ses vidéos parce qu'elle aussi, elle ne montre pas que du sport, elle donne aussi des petits conseils pour comment faire pour sécher, que faire pour perdre du gras, que, enfin bref, voilà, elle fait des séances brûle-graisse, elle est très pétillante, elle a vraiment des vidéos très variées mais axées sur le sport, la nutrition, la santé, etc. Et j'aime beaucoup vraiment. Alors, une autre youtubeuse sport que je suis aussi, c'est Caroline Rowe,
comme Caroline RO. C'est un peu dans le même style que Cici. Elle donne aussi beaucoup d'informations sur la nutrition, sur les muscles du corps. Il y a aussi des séances de sport, mais tu vois, elle fait des vidéos genre réussir ta perte de gras, 10 conseils pour rééquilibrer son alimentation, alors les erreurs et les mythes du fitness. Enfin bref, elle fait aussi des très très chouettes vidéos. Elle est vraiment top. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir des nouvelles youtubeuses que vous allez peut-être commencer à suivre. Donc je mettrai les liens de toutes ces youtubeuses en barre d'infos, comme ça vous pourrez tout de suite retrouver leur chaîne. Alors j'aimerais bien que vous me dites en commentaire quelles sont vos youtubeuses préférées pour faire découvrir un peu à tout le monde des youtubeuses. Pourquoi pas. Dites-moi si je vous ai fait découvrir une youtubeuse que vous ne connaissiez pas. Voilà, ça aussi ça m'intéresse de savoir. N'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Venez également me suivre sur Instagram, Tassi Suzanne, où vous pourrez me suivre de plus près. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.